Et salut salut, c'est Genesis. On se retrouve pour le 26e épisode sur Civilization 5, donc toujours avec l'Égypte. Et avec notre nouvelle menace sur la Chine ici. Donc on va passer le tour. Que je faisais remonter mes armées parce que justement cette menace m'inquiétait un peu. D'ailleurs, on va essayer de faire. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de lancer une route vers Almaty ici et on va passer le tour. Ouais, je pense qu'une guerre avec les Chinois va pas trop tarder. En plus, on leur avait pris cette ville-là qui s'est convertie à notre on va dire à notre ouais qui a voulu rejoindre notre nation. Ça a pas dû leur plaire. Pas très fortement. En plus, Budapest est avec nous, donc ça a pas dû leur plaire non plus. Ouais, la Chine et le Portugal sont amis. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas parce que du coup, j'ai plus que deux amis, on va dire entre guillemets. Peuple le plus armé au monde, bah forcément c'est moi. Hein. Attila n'a plus d'armée, carrément. Ah, c'est. Il n'a plus un seul soldat. Donc oui, j'ai plus que deux personnes qui me voient bien. Après, ils sont plutôt prudents. Même si le Maroc est plutôt dans le vert. Les autres, ils sont pas trop dans le vert. Hein. Et notamment ici. Ouais. On dirait que j'ai deux amis, vraiment, et éventuellement un troisième ici qui pourrait se profiler à l'horizon. Alors, ici. Ah, ce serait bien d'avoir un ouvrier ici pour améliorer les cases, mais j'ai deux tanks, une infanterie ici, mitrailleuse. Ce serait bien d'avoir des bombardiers. Je vais lancer deux bombardiers. On verra par la suite ce qu'il faut en faire. Ici. Ici, on va lancer des remparts déjà. Et je vais mettre un grenier en construction derrière. Donc ça, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Ici. Alors attendez. Ouais, qu'il est en train de... Ah, c'est pour ça, il est en train de se faire poutrer en fait. Ah ouais, c'est violent. Ouais, c'est assez violent. Bah nous on va continuer à faire nos petits comptoirs commerciaux dans notre petit coin. Oh, des fourrures. J'en ai déjà des fourrures ou pas? Ouais, bon, c'est pas grave. J'en aurai en plusieurs exemplaires éventuellement pour faire des échanges parce que j'en ai qu'une. Ici, on va le mettre sur la citadelle, lui. Voilà. La mitrailleuse, ici, c'est pareil. Ici, on va aller faire ça. Je suis en train de construire une école publique ici. Donc, une route vers Almaty. Ici, on va faire une scierie. J'irai faire une ferme là, je pense. Et ici aussi. C'est vrai qu'au niveau ferme sur cette ville, je suis pas trop top. J'en ai un truc qui rapporte de la bouffe. Ouais, j'en ai pas beaucoup des. Hein? Ah ouais, non mais... Ouf. Oh le pauvre! Oh non, il est en train d'attaquer... Ils sont en train d'attaquer le... Oh, il va se faire poutrer le pauvre! Ah! Ah, il va se faire poutrer, hein. Le problème c'est que je peux pas lui venir en aide quoi. J'ai pas les moyens de... Si, la Chine, je pourrais l'exterminer facilement. Ses premières villes sont presque pas défendues. Je suis pas loin de sa capitale en plus, au niveau de mes armées. Je viens de gagner une unité ici, anti-aérienne. Donc je pourrais éventuellement avancer, mais... Le truc c'est que je connais pas les... Alors attendez, portail diplomatique... Politique mondiale, voilà.
Ami avec Ottoman, Grèce, Maroc, Carthage. Ouais, on va éviter. Trahison de moi, ben oui. Et la Chine? La Chine, la Chine. Ami avec Portugal. En guerre avec Grèce et Brésil. Allié avec Bruxelles. Alors, ce qui pourrait se passer, c'est que la plupart des pays se retournent contre le Portugal. À ce moment-là, si la plupart des pays se retournent contre le Portugal au prochain tour, éventuellement, je peux redéployer une partie de mon armée, enfin, les soldats que j'ai ici, sur ce front ici. Bon, pour protéger ces villes-là. Éventuellement, tenter d'avancer sur les villes ennemies. Et là, je tente une attaque, je pense. Ici, là, je pourrais facilement prendre Tianjin. Pékin, ça devrait pas être trop dur. Après, ma flotte, elle est pas du niveau de l'armée chinoise. Ici, d'ailleurs. On va mettre ça. Si je dois éventuellement un jour attaquer, ce serait pratique, effectivement. Et donc là, j'ai reçu une unité, c'est bon. Du coup, je vais avancer le canon ici. Je vais avancer le navire là. Je me mets en position, hein. Je prends pas de risque. Ah oui, alors ici, j'avais pas calculé. Le triplan, il change d'entrepôt. Ah oui, alors c'est vrai qu'ici, je suis obligé de faire un. Je peux pas le changer. Donc on va le mettre là. Hop. Voilà. Je vais faire remonter. Je vais faire améliorer ça plutôt d'ailleurs. Le problème c'est qu'ici je préfère laisser au moins une unité sur chaque ville. Ce qui fait que j'ai pas beaucoup d'unités ici quoi. Donc Tainan, Tiangong. C'est même pas des villes que je garderais ça. Si je devais rentrer en guerre contre la Chine, c'est vrai que je raserais directement. Elles ont aucun intérêt pour moi. Alors. On va mettre eux là. Et eux, on va les bouger là. Ici, on va continuer notre champ de Syrie. Ici, on va lancer un commerce avec Carthage, plus 27. Oh la vache. Oh, bah je vais faire avec Carthage direct. Carthage, c'est là. Ça fait faire tout le tour en fait. Du coup, je pense que c'est ce qu'on va faire. À Thèbes, j'ai un chantier, monter le porte-avions. Oh, j'ai le projet Manhattan. Oh! Attendez, attendez. Je crois que cette ville est plus rapide au niveau production. Voilà, je vais mettre là, avant le zoo, bien sûr. Ici, d'ailleurs, je peux lancer éventuellement la production d'un bombardier. Je pourrais faire encore des. Je vais faire une caravane supplémentaire et un véhicule terrestre. Je me prépare à la guerre, comme on dit. Ici, je. Oh putain, ici, je suis en train de faire de l'unité. Ce serait bien ici que j'ai. Parce que cette ville n'est pas du tout axée production, d'ailleurs. On rend compte là. Parce que production, j'en ai là, là, très peu sur les villes, les zones ici. J'en ai un peu ici. Et cette zone-là n'est pas exploitée du tout, donc on va virer ça et on va le mettre là. Ouais, voilà. Parce que au niveau croissance, c'est déjà pas mal. Donc vous voyez, regardez ici, je gagne du temps. Je gagne 3 tours sur chaque truc. On va voir si éventuellement ça se retourne contre le Portugal. S'il y a des dénonciations ou pas. Oula! MDR. Je la trouve très drôle. Trouvez pas? Elle veut 5 de charbon, 5 de chevaux, 5 de fer, 5 de pétrole. Ça va, accord de recherche. C'est vrai que ça pourrait être bénéfique, mais non. Alors là. Quoique j'avais la masse en fait. En fait, j'aurais pu dire oui, parce que j'en ai tellement que. J'aurais dû dire oui. Le problème, c'est que on peut pas voir combien de ressources on a dans les menus de commerce comme ça. Oula, ils font descendre toute leur armée là. Où Zétienne? Ah, ça c'est bien. Alors on va aller lui dire.
Hop. Voilà, comme ça va foutre un peu la merde. Ici, une petite tirée. Ici, il n'y a pas une ancienne route, quelque chose dans le genre. Ancienne route. Route précédente, rabat. Et bien on recontinue avec rabat. Oula! Il a peur de moi sur Bandit Trucmuche. Cette armée-là, elle me plaît pas. Vais faire bouger un triplan. Ah non, carrément un bombardier. On va le faire bouger au sud ici. Ah, je peux pas. Ah, je vais être obligé de le faire bouger ville par ville. Non, me dites pas que. Ah, il faut un aérodrome, je suppose. Ça va être chiant, ça. C'est quoi la portée d'attaque de ce truc? Mais non, c'est pas le triplan que je veux! C'est lui. Ah, mais je peux pas le. Oui, bah oui. Florence, ok. Du coup, là, on se met en position d'attaque. Ici, on va faire une série. Le triplan, il va faire dodo. Ici, c'est pareil. Alors, attendez. Production, production, production. J'ai déjà plein de cases bloquées. Putain, merde. J'ai débloqué toutes les cases. Bon. On va bloquer les cases de production. Celle-là aussi. La nourriture. Ça, je bloque et ça, je bloque. On va bloquer ça, éventuellement aussi. Tout ce qui me rapporte assez, on va dire qui m'intéresse surtout. Le reste, là, vous voyez ces deux-là, je ne vais pas les bloquer. Que je puisse en débloquer si jamais j'ai besoin. Ouais, d'ailleurs, celui-là, je vais pas le bloquer. Pardon, c'est pas grave. Ouh, bientôt un ingénieur illustre. Marchand illustre, dans pas trop longtemps non plus. C'est pas trop mal, ça. Eh bien, on va passer le tour. Bon, apparemment, ils ont pas l'air de vouloir. Les Ottomans ont dénoncé les 1. Ouais, bon. Le Portugal a dénoncé les 1. Les pauvres, ils sont martyrisés. Ils vont bientôt perdre la mia. Ils sont tous en train de dénoncer les 1. Ok. Ouais. Ils ont perdu la mia. Ou presque, du moins. Oh merde, alors ça c'est pas cool. Ils sont amis alors que je viens de dévoiler un complot. Ouais, ça me plaît pas trop ça. Là, je vous avouerai que ça me plaît pas trop. Est-ce qu'on peut le faire descendre lui? Oui, bon, c'est bon, je vais pouvoir le faire descendre. Hop. Ouvrier, alors l'ouvrier, il va aller là, mouton. Et je serais presque à. Je vois qu'ils ont commencé à déployer leurs armées aussi. Bon, je suis encore un peu évolué par rapport à lui, parce que j'ai de l'infanterie, des trucs dans le genre. York, alors York. York, York, York. Je vais faire la banque. On va faire une petite unité militaire au milieu de tout ça. Un petit véhicule terrestre. On va partir ensuite sur une école militaire. Et une base militaire. Donc ça c'est dénonciation. Et ça c'est l'accord de libre passage avec le Maroc. Ok. Donc le Maroc qui est juste ici. Et la Chine est vraiment partout, quoi. C'est hallucinant. Ils sont même venus jusque-là. La Grèce a dénoncé le 1. Attila est un vrai fléau.
Bon, et vous savez quoi, on va faire ça. Parce que tout le monde a l'air de pas les aimer. On va essayer de se mettre un peu dans la masse. De toute façon, ce sera juste une guerre de politesse, hein, parce que je vais pas attaquer, je vois pas l'intérêt. Quoique. Ah, ça me plaît pas ça. Ça me plaît pas d'avoir une menace directe juste à côté de mes de mon du continent principal. Encore, vous voyez ici sur l'autre continent, ça me dérange pas trop. Mais là. Oula. Prépare une attaque surprise. Soliman. Ouais, alors. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être moi la victime là dans tout ça. Donc là, c'est les accords de recherche. Oh, là, ça vaut pas le coup. Construit le Kremlin. Ok. Et donc Soliman qui construit une armée, on sait pas pour qui et on sait pas pourquoi. Lui, il va descendre du coup, là encore. Là, j'en ai un deuxième qui va descendre là. Voilà. Ici. Alors ici, du coup, on va monter eux là, on va améliorer eux. Parce que là, ça va pas être... C'est pas tout, mais j'aimerais ne pas mourir. Je vais faire un véhicule terrestre. L'arsenal. Et pour l'instant, c'est tout. Ce sera déjà pas mal. Ici, une ferme, j'avais dit. Hop, voilà. Hop. Ici, on fait des moutons. La Chine, ça leur a pas plu que je j'arrive à prendre la zone. D'ailleurs, on va regarder sur quoi sont occupés les citoyens. Donc ça en bloque, ça en bloque. Tout ce qui rapporte un peu de production. Ah non. Attendez. Hop, je vais bloquer là. Je vais débloquer ça et le mettre là. Ça rapporte de l'or, donc à la limite. Ouais, un or de production. Ok. Bon, de toute façon, je suis à plus de 269. Je suis même pas en âge d'or, donc ça va. Je me débrouille plutôt bien. Et dans tout ça, j'ai gagné un tour de production. Ok. Ah, j'ai encore des villes occupées. Où ça? De quoi les trucs des villes occupées? 10 pour la population des villes occupées. J'occupe pas de villes. C'est pas parce qu'il y a ça là par hasard, un truc dans le genre. Je sais pas. Écoutez, on verra plus tard, on va passer le tour. On va choper le radar, donc ça on va avoir un avantage sur eux. Donc je leur ouvre le libre passage et ils me donnent un or par tour. Et vous savez quoi, j'ai envie d'être gentil avec eux. On peut pas leur donner de l'or. J'ai envie d'être gentil tout d'un coup avec eux. Voilà. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de me retrouver avec. Enfin, tout seul sur le continent. Vous voyez ce que je veux dire? Deveríamos prospérer à travers du comércio. Il m'offre le libre passage, je compte 50 or. Pas par tour, hein, on est d'accord. Accepté. Comme ça leur donne un peu d'or. Ce que je vais faire, je pense, c'est. Parce que eux, ils sont toujours en guerre, hein, contre la Chine. Le problème, c'est que c'est les derniers, quoi. Ouais, c'est le problème. Et du coup, ils ont toujours pas perdu la Mia. La vision est l'art de voir les choses Ok. invisibles. Donc là, j'ai des paras, donc ça va être bien. Des chasseurs et des bombardiers. Hop. Du coup, je peux améliorer tous mes bon mes. Enfin, tous mes. Je me prive pas. Ça me coûte un peu cher. J'ai un sous-marin, on va l'envoyer directement vers le nord.
Attendez, on va l'envoyer là déjà. On va l'améliorer. Bonus de combat, plus de 25% en attaque. Voilà. Un autre sous-marin, si on va faire visiter un, on va le faire aller plutôt justement lui vers le sud. Je peux améliorer lui, et bien on va pas se gêner. Ah, il me semble que de toute façon je commerce plus avec le Portugal. C'est le Portugal qui commerce avec moi. C'est pas moi. Donc comme ça. Alors. Au niveau des technologies. Ça m'intéresserait d'avoir ça. Même si ça m'intéresse un peu plus. Pour avoir un avantage nucléaire, on va dire. Par rapport à l'ennemi. Héliopolis. Alors, Héliopolis, on va faire une base militaire. Je vais rajouter une bourse par derrière. Et va falloir qu'on s'arme un peu sur ce continent. Donc, on va faire de l'artillerie. Donc, deux artilleries et un véhicule terrestre. Sur ce continent, il va falloir que je m'arme. C'est malheureux à dire, mais je risque la mort. Ici, le triplan. Il va s'améliorer en chasseur. Et est-ce que j'en ai par là aussi? Non, il me semble pas que j'en ai encore sur ce continent. Ils sont en construction, il me semble. Je dois en avoir un. Ouais, voilà. Bombardier de la Grande Guerre qui est en construction. Hop, on passe au tour suivant. J'ai fini quelle technologie tout à l'heure? C'est celui-là, hein? Ouais, non. Donc, je peux pas améliorer mes unités. Ah! Ça, je suis d'accord. Carthage a dénoncé la Chine. Donc là, j'ai au moins un allié. Qui est en train de monter, d'ailleurs, hein, en puissance. Par contre, si tu veux éliminer les... eux, là, ce serait pas mal. Ça m'éviterait d'avoir à rentrer en guerre et d'avoir encore des pénalités de belliciste. Ok, oula. Alors, promotion d'unité. On va mettre barrage 1 et on va les faire descendre là. Voilà. Le bombardier, il va rester là. Et celui-là aussi. J'ai fini la route ou pas? Ouais, là c'est bon, j'ai fini la route. On va remonter. On va ménager. Cette chose, c'est déjà ménagé, bon, c'est pas grave. Oui, ça m'intéresse. Vous allez voir, j'ai passé à 283 or par tour. Alors, il me reste ça à ménager et puis ça. Ici aussi. Ah, oh, attendez, il y a du nucléaire là. On va ménager nucléaire en priorité. Voilà. Ici. Est-ce que j'ai des cases non aménagées? C'est la grande question. Une là. Qui lui appartient d'ailleurs. Et des cases ici. On va aller aménager ça. Et là, on va améliorer ça en cuirassé. Ok. Hop, c'est quoi? Tom. Échanger. Liberta. Non, c'est discuter. Liberta. Voilà, hop, allez. Je vais pas la vexer non plus. Pierre 2. Participer à l'échec de leur proposition au Congrès mondial. Ouais, c'est ça. Ça avait pas plu au Portugal, hein. Ouais, en plus de ça, il y a beaucoup de choses. Hein. En plus de ça, on n'est pas sur le même ordre mondial. À ce niveau-là, attendez, je vais vous montrer là. Alors, je suis sur l'égalité. Eux, ils sont sur l'ordre, alors forcément, ça coince un peu. Oh, du nucléaire. Ah, ben désolé, le petit cotage. Je vais. Oui. Est-ce que j'ai d'autres ressources de nucléaire? J'en ai là aussi. Qui est pas aménagé, donc il va falloir que je m'en occupe.
Ici, bon, malheureusement, il n'est pas à moi. Ici, je vais pouvoir l'aménager. Donc, il y en a combien là? 4. Là, ça fait 4 aussi. De toute façon, c'est par 4 l'uranium en général. J'en ai là aussi. Je vais avoir pas mal d'uranium. Ça va être bien ça. On va pouvoir faire des petites bombes. Je pense que ça va partir en couille atomique assez vite. Très vite même. Ça risque. Putain, et l'autre, il arrête pas de faire des villes partout. Le chinois. Oh là là. On se calme. Après, Un autre alors. chef des Elle me bien donne 15 voyageurs or, elle me donne 5 fer, je qui lui donne des souffrent épices. là-bas. Ah ouais, on va accepter. Est-ce que j'en ai toujours. La question c'est. Arrête de bouger, s'il te plaît, arrête! Ouais, on va se bien se faire voir. Attendez. Des épices. J'en ai encore deux. De la fourrure, j'en ai encore une du coup. Ok. Ok. C'est noté. La Chine m'inquiète un peu là. Je sais pas si. Je pense qu'en fait, elle a jamais pris de ville à. Aux Grecs, c'est plus le Portugal qui a pris 4 de ses villes quand même, le Portugal. Hop. Eux, on va les mettre en place. Non, on va pas les faire tirer. On va mettre en place. Il y a son armée au sud là qui se promène. Ouais, on va les mettre en place vers le sud. Eux, ils vont bouger parce que je le sens mal. Il y a 2 unités d'artillerie et 2 unités de fusillés. Je le sens pas super bien là. Ouais, on va continuer à aménager cette zone. Ici, c'est déjà aménagé, c'est ce que je pensais. J'avais pas d'uranium par là, si. On va le faire monter là. Oui, j'ai dit que j'allais là de toute façon. On va aller voir ce que font les Portugais sur leurs frontières. Oh merde, putain! Ils sont en avance par rapport à moi. Ils ont 8 tours d'avance. Deveremos prosperar através do comércio? Oui, bien sûr. Ouais. C'est pas très plaisant ça. D'ailleurs, il faut que j'aménage le pétrole ici. 9 pétrole, putain. Ça descend. Oh, tu remontes, s'il te plaît. Ouais. Putain, c'est bourré de mines ici. Session à venir. 5 tours. Soliman construit le Kremlin. Ben, il va se faire avoir de justesse, je pense. Parce que ça fait déjà un moment que la Chine construit le Kremlin. Oh, je peux encore avoir de la fourrure ici. Une belle armée qui se promène au nord de ma position. Toute façon, je peux pas passer ici. On va se promener. Je me promène sur les côtes. Non, je peux rentrer. Non, je peux pas rentrer sur le territoire. Ouh, ils ont de la marine. Cuirassé, destroyer, porte-avions. Ouais, mais bon, ben on va s'arrêter ici pour cet épisode. Donc s'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À commenter et partager. Quant à moi, je vous dis merci d'avoir regardé et à la prochaine.